situation climatique actuellement qui vient d'évaluer l'île Maurice, les îles Mauritius, qui finit naturellement à travers un courriel qui nous envoyait, un communiqué qui nous fait tirer là, et nous invite normalement à considérer prendre toutes les précautions pour faire cette bonne entreprise, cette bonne opération à partir de 11h aujourd'hui. C'est une suggestion dans le sens que le principal concerné concernant la décision pour continuer l'activité ou pour faire cette opération aujourd'hui est l'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise, une entreprise, il vient évaluer la situation dans l'environnement occupé, évoluer là, nature son opération et surtout santé et sécurité de son employé. Alors, ça, c'est une décision qui l'entreprise est pour mieux capable en évaluant tout ça. Ok, donc c'est au cas par cas qui va l'entreprise pour décider si pas je peux renvoyer ce bon employé la case ou bien pas. C'est pour le plus bon juge qui est là dans sa présente situation là. Comment maintenant c'est plus ou moins bien établi, la plupart des entreprises étaient dans une situation comme ça, étaient dans ce qu'on appelle les preparedness plan. Comment dire, un petit protocole et comment dire, comment bien finir en bon employé si jamais le transport va dégainer, comment bien organiser le transport. En fait, si on a un employé qui peut peut-être gagner une certaine tâche, bien provider un petit peu la nourriture, les aménités, et à ne pas oublier que dans certains services essentiels, l'employeur, déjà, organise le travail d'une façon, et qui, parfois, n'a aucune perturbation, le travail peut continuer, et là, l'employeur, il met en place un aménité. Il ne faut pas que tout le monde relâche en même temps, il y a une trafic, ça.